Sous le papier Kraft, 25 clichés inédits de David Bowie attendent, prêts à connaître une vie de rockstar, ballottée d'un endroit à un autre, puisqu'ils seront désormais prêtés à qui le souhaite. C'est tout l'intérêt de l'Artothèque de Poitiers, où les emprunteurs peuvent profiter pendant 2 mois de l'œuvre d'art, moyennant un abonnement annuel de 16 euros. J'ai eu déjà au moins 2 ou 3 appels de personnes qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui et qui m'ont demandé si c'était possible de réserver. Et je leur ai dit que malheureusement non, parce qu'il y a 25 photographies. Et on ne réserve pas d'habitude à l'Artothèque, mais là, avec les photographies de David Bowie, c'est impossible. Mais les gens sont vraiment, vraiment impatients de venir pouvoir emprunter les œuvres. Ça, c'est clair. N'hésitez pas, choisissez, vous êtes les premiers. Pour Philippe Oliac, l'un des 3 photographes officiels de Bowie, cette mise à disposition de ses œuvres est non seulement la consécration de son travail, mais surtout l'aboutissement logique de ce que doit devenir, selon lui, une photo. Une photo, c'est fait pour être partagée, pour être diffusée d'abord dans la presse, mais pour être partagée. Et voir que 40 ans après, ces images qui rentrent dans l'histoire vont pouvoir continuer une nouvelle histoire de David Bowie personnelle chez les gens. Et de façon gratuite, c'est quelque chose de très bien. Je crois qu'il en serait fier. Très rapidement, les premières photos sont choisies. Christophe et Gaël, des habitués de l'Artothèque et fans de Bowie, ont craqué pour celle-ci. Votre choix est fait ? Ça y est, David Bowie en pleine action. Pourquoi celle-ci ? En pleine action, avec la guitare et... L'effet avec la guitare, elle nous plaît bien. Bon, on va voir ce que ça donne à la maison ? Oui, absolument. Une fois chez eux, l'installation de la photo semble évidente. Le plus dur, ce sera toutefois de ramener l'œuvre à l'Artothèque dans 2 mois. Mais il faut bien que d'autres fans puissent avoir eux aussi chez eux un petit morceau du mythe David Bowie.